Monsieur Kalulu Kiatengwa. Je suis ici parce que bon, mes enfants jouent à l'OL. C'est vraiment essayer d'être présent dans la mesure du possible. Je suis où nous sommes, c'est-à-dire ma femme et moi, présent à non seulement les entraînements, mais à toutes les activités que l'on organise concernant les enfants, les réunions, les tournois, les matchs, les entraînements. Ils sont où ces enfants ? Quartier de Revaison à Saint-Priest. Ici vit la famille Kiatengwa. Au Congo, son pays d'origine, Kalulu, le papa, a pratiqué, organisé des tournois de football et entraîné des équipes de jeunes dans le cadre scolaire. Aujourd'hui, ce sont ses enfants qui ont pris la relève. Aldo, Gédéon, Pierre et le petit dernier, Joseph. Tous vivent leur passion pour le foot et tous évoluent au sein d'un même club, l'Olympique Lyonnais. Tu vas t'entraîner demain ? Oui. Demain, mercredi, Joseph, Pierre, Aldo et Gédéon se succéderont sur les terrains d'entraînement de la Plaine des Jeux. Et en bord de terrain, il n'est pas rare de retrouver monsieur et madame. Cette passion pour le ballon rond, la famille Kiatengwa la vit pleinement. Pas question de rater une miette des entraînements. Les enfants aiment être rassurés, aiment être accompagnés. Et c'est ce que nous faisons, hein. Je ne suis pas seul. Je le fais avec leur maman. Et leur rappeler que rien ne se gagne au hasard. Hein. Il faut travailler. Ah oui, sinon je suis en manque. Hein. Sinon je suis en manque parce que si on me rapporte des choses, je ne sais pas comment a été fait l'action, comment. Parce que si je vois comme ça, je pourrais discuter avec les enfants. C'est toute l'équipe hein, que je regarde. Quand ça joue bien, je suis contente. Je suis fier de les voir évoluer dans ce club qui suit de près les jeunes et particulièrement qui les suit dans leurs études. Là, c'est très important. Ouais. Le sérieux du club fait que on aimerait qu'il y reste le plus longtemps possible. Il est là-bas. Oui, on va là. C'est qui ? C'est Aldo. C'est Aldo qui s'entraîne. Donc là, vous laissez Gédéon, c'est ça ? Oui, Gédéon, il a terminé. Hein. Ils font maintenant des étirements. Maintenant, on change de terrain. On va voir Aldo et puis à 18h, ça sera Pierre. Et dans la pratique, avec des entraînements multipliés par 4, la gymnastique n'est pas banale. Et lorsqu'arrive le week-end, l'affaire n'est pas plus aisée pour gérer le planning des matchs et tenter de ne délaisser personne. Vendredi soir, on réunit toutes les convocations, on décide en fonction des disponibilités de nos parents, en fonction des heures, en fonction des lieux et en fonction du programme de la journée passée. Et c'est ainsi que on essaie d'être là à toute la compétition. Je vais retrouver Gédéon, je vais les ramener. Et comme le papa est resté, il pourra ramener à la fin Aldo. Et il va revenir pour chercher le troisième Pierre au cas où sa réunion ne sera pas finie. Gédéon en a maintenant terminé, Aldo s'entraîne encore et Pierre ne va pas tarder à débuter. La journée d'entraînement touche à sa fin pour la famille Kiatengwa. Merci.